So hello everybody, I am with a good friend and today we're going to interview him. So you can subscribe to this YouTube channel, click on the button and also download for free your guide to speak English. So I'm Derek and I'm your online English teacher who is Scottish. Le début de l'interview va se faire en anglais et après il y aura quelques conseils en français. Donc suis bien si tu n'es pas encore tout à fait à l'aise avec l'anglais. So, what's your name? Hi guys, my name is Arnaud. Okay, and what's your nationality? So I'm French. So I was born in Paris. My parents are from the West Indies, Martinique, so I'm French. Totally French? Totally French. Not lying? Not lying, totally French. Born in Paris, yeah. Okay, and so how old are you? I'm 38. Okay, and so tell me more about your family. So my family, as I said, so I'm married and I've got two kids, Lily and Micah, and I'm married to Monica. Excellent. So what do you do? What's your job? So I work for a company called Safran. So I'm just doing some project management and I used to study engineering. Okay. So mechanical engineering, and now I'm working in the aerospace industry. Excellent. So you're an engineer? I'm an engineer, yes. Excellent. Good. So how come you speak so well in English? It's a long story, but the truth is I learned English in school. Okay. But I was not very good, you know. No. In my baccalaureate, I had 8, I think. 8? So it's below average. Oh no. I just had the opportunity with my studies, actually, just to go to Bristol, to Lille. And so I arrived in a company and everybody was speaking English. So I had no choice even just to ask what's your name and let's go to the canteen. Okay. And it took times and months after months. My understanding improve and my speaking improve and my English is much better now. Oh yeah, really good. I was 8 when I had 8 at the back. I know, excellent. Super, donc tu as entendu que là Arnaud a dit qu'il avait 8 de moyenne au bac. Alors c'est vrai que c'est un examen qu'il faut passer. Peut-être tu te reconnais, tu dis mince, au niveau académique j'ai pas réussi. Et le tournant a été que, alors si tu as suivi, normalement ce que je vais dire c'est une répétition, mais il est parti à Bristol, d'ailleurs c'est là où on s'est rencontré il y a 10 ans. Bon, moi je suis parti étudiant là-bas, et arrivé là-bas, il n'avait pas de choix que de parler anglais. Et donc forcément aujourd'hui il parle couramment les deux langues, tu peux faire des réunions en anglais, c'est ça? Oui. Tu peux faire des interviews téléphoniques en anglais. Oui. Je parle avec les clients en anglais, tout le monde. En anglais. Et d'ailleurs tu es marié à une Anglaise. Anglaise qui est d'origine marocaine, égyptienne. Donc moitié égyptienne, moitié anglaise. Super. Est-ce que c'est grâce à l'anglais que tu l'as rencontré quand même? Est-ce que c'est grâce à l'anglais? Non, parce que... Enfin, oui, non. Non, elle est venue en France pour un échange Erasmus. Ah, oui, pour parler français. D'accord. Donc elle parle français grâce à moi. Ah d'accord. Ouais. Mais elle m'a aidé avec mon anglais. Énormément avec mon anglais parce que quand on était en France, quand je suis parti en Angleterre après pour la suivre aussi, une des raisons. Ben c'est qu'elle m'a beaucoup aidé avec l'anglais aussi. Ah oui, c'est ça. Donc l'anglais est aussi la langue du lien social. Et si tu veux trouver ton âme sœur, n'oublie Mythique et puis tu peux te confier dans l'anglais. Donc est-ce que tu aurais 2 ou 3 conseils, c'est un peu l'objet de cette interview, sur en fait qu'est-ce qui t'a aidé à avoir un meilleur anglais? Donc tu l'as déjà un peu dit, mais vraiment, je sais pas, 1 ou 2. Moi j'ai un conseil qui m'a beaucoup aidé, parce que quand je suis parti en Angleterre, donc tout le monde parlait anglais et les gens prononçaient des sons que je comprenais pas du tout. Et moi les choses qui m'ont beaucoup aidé c'est regarder des séries anglaises avec les sous-titres en anglais. C'est ça. Donc pas avec les sous-titres en français. Et pour moi ça c'est la clé parce qu'il y aura un acteur américain ou un acteur anglais qui va prononcer un son. Ouais, c'est ça. Mais je pourrais lire le son et je pourrais dire ah c'est comme ça que ça se prononce. Et le mot je le comprends pas, mais tu peux aller sur le dictionnaire ou aller sur internet. Et tu apprends du vocabulaire avec la bonne prononciation. Super. Et bien là, ça rejoint en fait ce que je dis souvent, c'est les sous-titres évolutifs. Tu commences avec les séries en anglais, sous-titres français, parce qu'au début, tu es vraiment niveau débutant. Tu évolues avec sous-titres anglais, comme ça au moins tu peux réaliser les sons qu'ils ont dit. Et éventuellement, au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, peu importe, tu essaies de ne pas faire de sous-titres. C'est vraiment cette idée d'évolution sur sous-titres. Ouais. Ok, super. Et série? Oui. Un autre conseil aussi, c'est qu'il faut être patient. Ce qui est plus dur, c'est surtout si vous avez l'opportunité de partir en Angleterre ou à l'étranger, c'est l'anglais, il y a différents accents. Comme nous en France, il y a les accents du Nord, l'accent du Sud. En Angleterre, tu as l'accent écossais, tu as l'accent mancunien, l'accent du Liverpool, le Jordi de Newcastle, ouais. L'accent indien, pakistanais, différents accents. Comme nous en France, on a l'accent antillais, par exemple. Ouais. Mais c'est vraiment de ne pas être trop dur avec soi-même.
Et c'est vraiment être patient, même si tu ne comprends pas. Donc moi, je me rappelle, j'ai échangé avec des collègues, je ne comprenais pas ce qu'ils me disaient au départ. Mais avec le temps, avec la persévérance, les sons qui prononçaient, je reconnaissais le mot. Et au final, au bout de 6-9 mois, je comprenais parfaitement ce qu'ils me disaient. Super. Et je me rappelle quand je suis arrivé en Angleterre, j'avais un collègue qui était de Manchester, donc un Mancunien. Ah, et je ne comprenais rien à ce qu'il disait. C'est un des accents les plus compliqués. Ouais, un accent plus compliqué, mais avec la persévérance, en fait, notre cerveau, en fait, il décode. Mmh. Il va comprendre un ou deux sons, et après, ça va se faire magiquement, et il y aura un déclic, et ça va vous permettre de vraiment comprendre. Super. Ouais, c'est la patience, persévérance. Hein. Mmh. Ça d'ailleurs, Arnaud se prépare pour un Ironman, mmh. et on peut voir la langue anglaise comme ça, c'est pas du jour au lendemain que tu peux faire marathon, plus 3 km de natation, mmh. plus 180 km à vélo. Donc l'anglais, c'est pareil, il faut paraître patient et persévérant parce qu'il y a du résultat aussi avec les efforts fournis, ouais. hein, ça c'est sûr. Ok, donc peut-être encore une chose ou si ça... Autre chose aussi, il faut... Donc la compréhension, c'est une chose qui est difficile, mais aussi l'expression en anglais, il faut pas... Enfin moi, je me rappelle quand on partait en Angleterre, c'est vrai que c'est timide, c'est difficile de parler, mais il faut pas avoir peur de parler, il faut pas avoir peur de faire des erreurs. Et donc voilà, c'est... Le but d'une langue, c'est de pouvoir s'exprimer et c'est de communiquer. Vrai. Et vraiment, ne pas avoir peur de faire des erreurs. Donc, dire ce que tu penses. Et après, en bossant un peu la grammaire, tu travailles des phrases au niveau de la syntaxe. Mais il ne faut pas avoir peur de parler. Il ne faut pas avoir peur d'avoir la phrase parfaite pour pouvoir échanger. Donc, si vous avez l'opportunité de partir à l'étranger, rencontrez les gens. Et aussi, moi, dernier conseil, quand j'étais parti en Angleterre, j'évitais tous les Français. Parce que je voulais améliorer mon français. Et je me rappelle, ouais. quand j'avais rencontré des collègues, il y avait des clubs de français qui se formaient. Allez, sortie français, on va au pub. Mmh. Et moi, j'ai dit non, je ne suis pas disponible. Parce que je voulais vraiment apprendre la langue. Et c'est vraiment s'investir, se mélanger avec, avec les amis locaux. Et c'est opportunité. Et eux, ils ne parlaient pas français. Et moi, je ne parlais pas anglais. Il fallait que j'apprenne l'anglais. C'est ça. Est-ce que tu as eu des anglais ou des anglophones qui, de manière délibérée, se sont moqués de toi pour te mettre à avoir honte? Ils peuvent te taquiner, ouais. mais ça c'est normal, mais ouais. genre, parce que c'est une peur souvent, chez beaucoup de gens, ils disent oh, on va se moquer comme dans une salle de ouais. classe, tu vois. Okay. Est-ce que tu as eu ça? Moi, j'ai pas trop eu ça, mais il faisait beaucoup de références à un joueur de foot, parce qu'à l'époque où j'étais à Bristol, c'était l'année d'Arsenal, les années des Invincibles, ah, oui, donc il y avait beaucoup Thierry Henry à la télé, okay. et donc il faisait toujours référence à You talk like Thierry, you talk like Thierry. Mais rien de méchant, parce qu'en fait, la vérité, c'est que les Anglais, ils parlent qu'une langue, c'est l'anglais. Et à chaque fois qu'ils disent, ils aimeraient toujours aimer pouvoir apprendre d'autres langues. Et donc, et les Anglais, ils respectent nous, les Français, ou les personnes qui partent à l'étranger, pour le fait de pouvoir apprendre une langue, parce que eux, c'est pas quelque chose qu'ils font fréquemment. Ils le font pas, c'est vrai. Tu as raison. Hein. Mmh. Bah oui, mais ils n'ont pas besoin. Ils n'ont pas besoin, exactement. En Espagne, ils vont parler anglais, quoi. Exactement. T'es sûr? Ouais, tiens, j'avais jamais vu comme ça. Merci. Hein. Donc voilà, super interview. Merci beaucoup, Arnaud. C'est quelqu'un que je connais depuis 10 ans et on est très proches. Donc, en plus, ils élèvent aussi leurs enfants en anglais, comme nous. Et leurs enfants sont bien bilingues, bien ouais. plus que les nôtres, parce qu'ils ont quoi, 7 et 5 8 et 6 8 et 6. Ouais, donc ils switchent vraiment d'une langue à l'autre. Superbe. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu. Tu peux bien sûr repartir en t'abonnant, en cliquant sur le lien pour avoir des vidéos pour. Sur ton progrès en anglais et repartir en récupérant ton guide complet gratuit pour parler anglais. C'est un peu plus bas, tu mets ton email et je t'envoie tout ça gratuitement. Well, see you later. Yeah. Bye. Cheers. Bye.